Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa. Restez bien scotchés dans vos fauteuils parce que ça va déménager tout à l'heure avec notre invité. C'est une surprise de taille. Recevez votre humble serviteur, l'animateur émérite que je suis, Serge Defalé, la légende. Alors, à l'orée des réseaux sociaux, je dirais, à l'avènement de ce phénomène aujourd'hui qui est devenu une grande cour commune, comme je le dirais, il a eu un impact sur la société avec de nouvelles personnes qui sont sorties du lot quand le direct a commencé. Ces personnes, on les appelle tantôt influenceurs, tantôt blogueurs, ils débattent sur les faits d'actualité, ils donnent leurs opinions et comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, ils cassent les papos. Alors, en ce jour, dans ce Fafa, nous recevons une qui est aussi une fer de lance dans ce système. Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui dans ce Fafa, Kadi Joly. Bonjour Kadi Joly. Bonjour Serge Defalé. Comment tu vas? Ça va très bien. Et le séjour en Côte d'Ivoire, j'espère que ça se passe comme tu le veux. Ça va très bien. Ça va super bien. Oui. Ah, Kadi Joly. Mais pourquoi ce nom, Kadi Joly? Kadi Joly, déjà, mon nom c'est Kadi Diakoné. D'accord. Donc, du coup, Kadi, c'est K-A-D-Y. Ok. Joly, parce que toute petite, on me disait que tu es jolie, jolie, jolie. Donc, du coup, j'ai collé Joly, ça donc, fait Kadi Joly. Donc, comme on a dit, tu es jolie, en même temps, toi, tu as vu Joly. C'est ça. Donc, celui qui dit même Kadi Vilaine, ça ne peut pas passer. Ça, si tu veux m'appeler Kadi Vilaine, il n'y a pas de souci. Alors, Kadi Joly, ça fait combien de temps que tu es à Abidjan? Depuis le 11 mars que je suis à Abidjan. Depuis le 11 mars que tu es à Abidjan. Waouh. Alors, mais Kadi, quand tu es arrivé à Abidjan, il y a eu beaucoup de bruit aussi dans ton arrivée là. C'est vrai. Parce que tu es arrivé à Abidjan avec énormément de bruit. C'est vrai. On est d'accord. Et on ne peut pas passer dessus sans en parler. Tout à fait. Parce qu'avec tout ce qui s'est raconté sur toi, sur les réseaux sociaux, Kadi Joly a été arrêté. Non, même pas arrêté. Kadi Joly à la maca. Allons directement, mais au droit au but. C'est ça. Il y a des influenceurs, des blogueurs, tes collègues qui ont fait des sorties sur toi pour annoncer sur toute la toile que tu étais à la maca. C'est vrai, j'ai regardé aussi, j'ai vu, mais bon, j'étais tranquille chez moi, je regardais toutes les vidéos. D'accord. Et ben voilà, j'ai pas été à la maca, j'ai jamais été à la maca. Donc, alors, mais quand ça se passait, pourquoi tu t'es pas défendu automatiquement? Non, parce que ça sert à rien de, voilà, d'enflammer les choses. C'est vrai que j'ai été interpellée par la DITT. D'accord. Donc, du coup, je trouvais pas nécessaire de déposer ma caméra pour dire aux gens que voilà, Maca ou quoi que ce soit. Le moment est venu, je me suis présentée dans mon bureau où j'étais en train de faire la publicité de ma société de nettoyage. Okay. Donc, ils ont vu une vidéo de moi comme ça et voilà. D'accord. Donc, quand tu étais interpellée par la DITT, je veux dire par là que tu étais encore en procédure, donc tu n'avais pas vraiment le droit aussi d'en parler. Voilà, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Voilà. Ok, pour des procédures d'enquête judiciaire et tout ça. Mais pourquoi, en tant que blogueuse, tu rentres dans ton pays, tu viens, et bon, on est tous en Côte d'Ivoire, on est tous là, mais c'est toi qu'on convoque à la DITT. Tu as fait quoi? Ouf. J'étais en train de... Bon, j'étais comme tout le monde. Hein. À la base, moi, je suis une blogueuse. Oui. Et voilà, je vendais un peu de tout sur la toile. D'accord. Et après, il y a eu des choses qui se sont passées que je n'ai pas aimées. Bon, d'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je faisais partie du comité des blogueurs de Apuchou. Oui, voilà. La ligue des blogueurs. On va non, en parler. Non. Comité des blogueurs. Ah, donc, il y a comité des blogueurs et il y a la ligue des blogueurs. Donc, entre la ligue des blogueurs et le comité des blogueurs, quel a été le premier qui a eu l'existence? C'est comité des blogueurs. Comité des blogueurs. C'est après, maintenant, la ligue des blogueurs. Et la liste des personnes des comités des blogueurs. Makoso, oui. Voilà, et d'autres. Mais le comité des blogueurs, il y avait qui et qui à l'intérieur? Il y avait Apuchou et d'autres personnes.
Et mais à la tête, c'était à Puccio. C'était à Puccio. Parce que c'était pour apporter un soutien à son comité des Oscars. Et, oui. Et, comment on appelle ? Oui, ouais, les Oscars des blogueurs voilà, à Paris. C'est ça. D'accord. Donc voilà, la base, c'était ça. Ok. Et étant là-bas, j'ai vu des choses que je n'ai pas aimées. Mm-hmm. Voilà, donc du coup, je suis sortie du comité. D'accord. Et sur la toile aussi, je faisais mes vidéos et tout. Comme okay. On aime les dire, cassez-moi des papos et tout. Mm-hmm. Et j'étais attaquée de partout. Okay. Moi aussi, pour me défendre, c'était pour voilà, venir aussi dire ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le comité des blogueurs et puis le comité des blogueurs, il faisait que critiquer les gens d'un côté, la ligue des blogueurs. Mais est-ce que bloguer, là, c'est pas critiquer les gens déjà? Moi, je critique pas les gens. Aïe. On me connaît pour ça. Parce que moi, je ne sais pas si vous savez, on m'a surnommé même la régie, Maman La Voice. Oui, Maman La Voice. Oui. Voilà, donc, moi, en fait, quand je dis que je ne critique pas les gens, ce que je dis derrière toi, je peux le dire en face de toi. Ok. D'accord. Le comité, à la base, c'était pour travailler. Ce n'était pas pour faire le béret. Okay. Mais tout ce que l'autre côté faisait, même les posts, les publications, ça se retrouvait dans notre comité. On pouvait passer toute une journée à parler pour rien. Moi, j'étais là pour le travail. Donc, j'ai vu que ce n'était pas pour le travail. Mais comment un comité qui est créé à la base d'un mouvement de Gbéré peut devenir un comité pour le travail? Non, ce n'était pas créé pour le Gbéré. C'était créé pour le travail. On nous a dit qu'on allait avoir des publicités des différentes sociétés. Mm-hmm. On allait faire les publicités des différentes sociétés. D'accord. Voilà, pour avoir de l'argent et tout et tout. Donc, voilà. C'est pour... Mais pour faire publicité des différentes sociétés pour que ça marche là, tu veux bien mettre Gbéré d'abord? Enfin, c'est Gbéré qui fait qu'on vous écoute. Sinon, ce n'est pas la publicité de la marque. Le Gbéré est venu après, hein. Le Gbéré est venu après. Parce que, à la base, c'était pas... Parce que vous pas... avez compris que le Gbéré attirait plus de monde. Voilà. Déjà même... Pays, voilà. Déjà même quand tu veux essayer de changer ton blog pour parler des faits de société, tu as 100 personnes. 100 Mexicans, voilà. Mais quand tu viens d'asseoir quasiment des papous, tu mets le titre sorti, bon, voilà, c'est bon, chaud. Tu vois, tu dis quasiment des papous, c'est critiquer les gens. Non, mais tu te rends compte que les gens veulent que ça. Bon, est-ce que, à travers ça, tu te rends pas compte un peu que ça devient une cour commune? Justement, ça devient une cour commune. Parce que Facebook, c'est devenu une grande cour commune maintenant. C'est ça, c'est ça. Et puis bon, mais c'est du n'importe quoi sur Facebook. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas, c'est-à-dire ils ne voient pas quelque chose et puis ils viennent s'asseoir sur la toile pour en parler. Pour moi, ce n'est pas bien. Ok, voilà. D'accord. Donc, ça s'est passé comme ça. Et donc, moi, j'étais embêtée par les gens, les mêmes personnes du comité dont je faisais partie. Okay. Ils ont commencé à gâter mon nom, me traiter de mendiante, Et donc, moi, pour me défendre, c'est que je savais sur le comité, je suis venue m'asseoir et puis j'ai mis sur la toile. Mais sauf que sous le comité, il y avait des dames qui étaient là. Qui finançait? Oui, qui faufile entre nous, les blogueurs. D'accord. Et ça, je trouve pas ça bien. Parce que quand on se dit une grande dame, il faut rester à sa place. D'accord. Voilà. Quand on se dit grande dame, reste à ta place. Mais et si la grande dame a besoin de ça aussi pour justement, aussi... j'ai compris que la grande dame avait besoin de béret. Parce que la grande dame même, c'est elle qui faisait mes posts. C'est elle qui me rédigeait les posts que je devrais mettre sur ma page. C'est elle qui me donnait les papos à casser. Les papos à casser. Et c'est elle qui me... Voilà. Est-ce que de toi à moi, Kadi Joly, casser des papos dans le domaine politique qu'on sait très bien qui est un peu, on va dire, très sensible, est-ce que tu ne penses pas que c'était un peu risqué parce que tu pouvais mettre même ta vie en danger? Justement, j'ai mis ma vie en danger parce que j'ai reçu des menaces de mort. Mais, voilà. Mais à la base, ce n'était pas pour rentrer là-bas. D'accord. Parce que j'ai vu comment on a traité ma mère. Moi, tu touches à ma mère, tu me verras sur ton chemin, hein, même si je dois... Voilà. Okay. Je suis sa seule fille, donc je sais que toute personne aime sa mère. Bon, je me dis Mais est-ce que dans votre système-là, il y a des règles régies pour faire des... On voit d'autres insultes, les mamans... Il n'y a pas de règles, justement. Moi, je n'ai jamais insulté les parents. Ce n'est pas mon truc. D'accord. Jamais, vous pouvez vous enseigner partout, jamais. Parce que mon éducation ne me permet pas d'insulter les mamans, même les enfants. Mais est-ce que ça, c'est pas une faiblesse ou bien une carence? Justement, parce que quand tu n'as plus d'arguments, qu'est-ce que tu fais? Tu insultes? Justement, parce que cette histoire, je suis la seule qui prend les pots cassés. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que j'ai compris que quand tu dis la vérité, tu es mal vu dans la société. Ok. Et tout ce que j'ai dit, je n'ai rien diffamé. Donc, tu penses que la société aime les menteurs? Je ne peux pas dire ça comme ça, mais
quand tu dis la vérité, tu as les mille problèmes du monde. Okay. Voilà. Donc, moi, c'était pour dénoncer. Mm-hmm. C'était pour dénoncer quelque chose qui était malsain. Mm-hmm. Mais seulement que j'ai fait fort. Quand je dis j'ai oui, fait fort... Oui, parce qu'en enlevant, en montrant, mm-hmm. en faisant écouter les audios justement que les tu sortais, mm-hmm. tu vois, ça faisait du genre comme si... je ne sais pas comment j'ai été dire ça. C'est, les gens peuvent voir ça aussi comme une trahison aussi. Hein. Oui. Oui, on peut voir ça comme ça. Mais ceux qui ne veulent pas... Ceux qui ne veulent pas... comment on appelle ça, connaître la vérité. La vérité. Ils pensent que c'est mauvais et tout. À okay. la base, mm-hmm. je n'étais pas la première à enregistrer. Mm. C'est comme on dit le comment on peut dire ça, le trompeur trompé. Non, c'est le trompeur trompé. Voilà, okay. voilà. Donc cette personne qui enregistre les hommes d'État, mm-hmm. Qui me fait écouter, moi derrière, j'enregistre aussi à mon tour. Voilà. Parce que j'ai trouvé que c'était pas bien. Parce que de peur que tu te dises quoi, si la personne est capable d'enregistrer des chefs d'État, ouais. c'est que la personne peut toi aussi t'enregistrer. Pas les chefs d'État. Hein, et le, pardon, voilà. Les personnes d'État, mm-hmm. et les hommes d'État, pardon. Mm-hmm. La personne aussi peut toi aussi t'enregistrer. Justement. Parce... Donc toi, tu as commencé à enregistrer aussi la voilà. personne. Donc du coup, les gens ne voient pas ça, ce côté-là. D'accord. Ils disent que non, Kadia, elle enregistre les gens, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Non. Mm-hmm. Je ne me suis pas levée comme ça pour, voilà, pour enregistrer les gens comme ça, tout bêtement et tout. Parce que j'ai vu, je me dis, ben, les personnalités que tu fréquentes, tu les enregistres et ils te font confiance. Ils te parlent de leurs secrets et tout. Ouais. Et toi, derrière, tu les enregistres. Moi, que tu ne m'as jamais vu pour des vrais, tu ne m'as jamais vu, tu ne m'as jamais croisé, juste au téléphone. Et tu ne te gênes pas de... Mais comment elle te contacte? Bah, en fait, ça fait partie du... C'est quand j'étais dans le comité oui. et que j'étais dans le comité et tout. Donc, mm-hmm. j'ai compris que c'est elle qui était derrière le comité. Le comité, ok. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que il y avait une partie... Bon, il y avait deux personnes qu'elle préférait que les autres mm-hmm. membres du groupe. Il y avait un parti normal pris. Parce que moi, nous, elle nous connaît. Voilà, vous, elle nous connaît voilà. pas. Donc, je me suis plaint. Je dis, ben, on est tous là pour le travail, hein. Moi, j'étais la secrétaire de ce comité. Donc, d'accord. tout passait par moi. Quand j'ai dit tout passait par moi, même il y a des décisions qu'on prenait, je donnais mon avis aussi et tout. Mm-hmm. Donc, j'ai dit, mais pourquoi prendre parti pour deux personnes seulement mm-hmm. et les autres se tuent pour travailler, pour donner ce qu'ils connaissent, leur savoir, pour faire avancer le comité et mm-hmm. vous faites partie pris et tout. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris que... Parce que déjà, ils ne se cachaient pas. Mmh. Ils nous narguaient sur la toile, et tout ça. L'argent par-ci, par-là, voilà. les quoi. J'ai donc, dit, mais eux attends, recevaient des sommes, mais vous ne voilà. recevez rien. Voilà, les gens peuvent penser que non, c'est de la jalousie. Non, pour moi, ce n'est pas de la jalousie. C'est pas en fait, ce n'est pas équitable. Moi, j'avais un boulot. J'avais ma société. J'ai fait sortir ma marque. Bon, bref, mmh. c'est pour dire que j'étais dans le comité par... Par conviction. Par conviction, et mm-hmm. voilà. On a dit qu'on allait travailler, on allait faire des publicités et tout. Moi, mm-hmm. j'étais partant pour ça, mais après, je me rends compte que ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'ils nous ont dit depuis le départ. Donc tu t'es rendu compte que c'était quelque chose d'épipé, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire, tout ce qui a été dit, c'est pas ce qui s'est fait, il mm-hmm. y a quelque chose d'autre qui est caché derrière. C'est ça. Et donc, moi, mm-hmm. j'étais pas contente parce mm-hmm. que j'ai misé dans ce comité. Mm-hmm. Comme en tant que secrétaire, je suis allée. Prendre des ordinateurs, une imprimante pour faire les saisies et tout ça. Mm-hmm. Mais mon prof frère, je n'ai pas demandé frère, à ce voilà, qu'on voilà, j'étais à fond dans le comité. Okay. Mais j'ai vu derrière que ça n'avait rien à voir. C'était un comité qu'on avait mis en place pour exploiter les gens mm-hmm. et puis pour faire le béret. Pour faire le béret. Voilà. C'est-à-dire, c'était pour trouver des gens qui pouvaient venir. On te trouve comme ça, on te donne les secrets. Parce que je n'étais pas la seule, il y a d'autres aussi qui faisaient des postes pour dire qu'il y a tel ministre qui m'a acheté une voiture. Tu vois, c'était des mmh. voilà. C'était comme un peu à la crise, il y a plus quoi. Ouais, si, voilà. si, ça devenait un peu un système. Voilà, un truc comme ça, voilà. Où on sort les secrets d'État. Voilà, donc du coup, moi, mmh. je voulais pas faire ça depuis le début parce que. Moi, je me dis, les secrets de toi doivent rester secrets. Mm-hmm. Ça ne doit pas sortir sur la toile. Mm-hmm. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc, moi, c'était pour me défendre. Mm-hmm. En me défendant, j'ai eu à ôter d'autres personnes. Ouais, tu as ôté voilà, des personnes. Que je vais mm-hmm. profiter de votre antenne, présenter mes excuses
Et voilà, donc c'était pas mon intention de heurter ces personnes-là. D'accord. Et je les connaissais même pas d'ailleurs. Je les connais pas d'ailleurs. Voilà, c'est celle qui les fréquente, celle qui les côtoie, celle qui parle avec eux, c'est elle qui m'a mis ces personnes à dos. Voilà. Donc en fait, c'est comme si la personne se servait de toi pour régler ses problèmes. Voilà, je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme je vous ai dit, ce sujet, j'ai fermé depuis. Comme le rendez-vous était pris depuis longtemps, il fallait. Voilà. Sinon, tu vis à Paris? Oui, je vis à. Depuis combien de temps? Depuis 2013. Ah ouais, quand même, depuis 2013, tu vis à Paris et tout. Mais quand tu venais à Abidjan, est-ce que tu avais des appréhensions déjà de ce qui allait t'arriver? Non, parce que pour moi, l'histoire s'est passée en France. Ok, donc la plainte tout allait se faire en France en fait. Mais quand je suis arrivée, c'est pourquoi je ne me suis pas cachée d'ailleurs. Quand je suis arrivée, j'ai fait une vidéo avec mon artiste qui est DJ Congélateur. DJ Congélateur. Voilà, okay. J'ai fait une vidéo avec lui et tout, et tout est parti de là. D'accord. Et c'est là on m'a interpellé et tout, on me dit voilà, j'ai une convocation de telle, voilà. Okay. Et j'ai répondu à ma convocation et tout, donc je ne m'attendais pas à ça en fait. À ce qu'il paraît, tu es parti en France par bateau? Non, pas du tout. Ah, okay. Je suis parti en France par bateau, ah ouais, non. Tu es parti par la voie aérienne normale? Tout normal. Oh, tranquille. J'ai dit tout le temps, moi j'ai les preuves ici dans mon sac. D'accord. Voilà, j'ai les preuves ici, parce que trop de mensonges là, il faut qu'on arrête maintenant. Moi, à la base, je travaillais à la régie. J'ai fait 17 ans au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Je travaillais à la report là-bas. Ok. Voilà, mon billet est toujours là avec moi. On te croit sur parole. Mon billet est toujours là. Ok, alors tout à l'heure, tu as mentionné le nom de DJ Congélateur, qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est ton filleul. Alors pour toi, entre DJ Congélateur et manager confirmé, qui chante mieux? Eh ben, c'est mon artiste. DJ Congélateur, c'est le meilleur artiste du moment actuellement. Mais manager confirmé, dit va faire futur, il a fallu pour pas. Tu penses que ton artiste va s'en sortir? Bien sûr. Mon artiste n'a pas besoin de demander des futurs avec les artistes, les grands artistes. Ah, ok. Celui se débrouille pas mal. D'accord. Vous voyez? Alors, mais quel est ton point de vue sur les accusations entre ton artiste qui dit des choses concernant un manager confirmé, qui aurait eu des attouchements, des choses comme ça, et on t'a vu aussi, tu es sorti aussi sur la toile dessus. Hein? Et au jour d'aujourd'hui, tu crois que ce que ton artiste, DJ Congélateur, a dit sur manager confirmé, c'est vrai? Moi, j'attendais de voir les preuves. D'accord. Et j'ai les preuves avec moi où l'enfant a été blessé, cicatrisé. Ah bon? Je ne pense pas qu'un médecin va falsifier un truc de ce genre. Okay. Dès que j'ai eu les preuves, j'ai commencé à dénoncer Manadia pour que la justice de la Côte d'Ivoire puisse regarder ce dossier de près, parce qu'il s'agit d'un enfant. Et moi, j'ai dit tout ce qui touche comme un attouchement des enfants et tout, parce que moi, à la base, j'ai été victime de ça. D'accord. C'est pourquoi j'ai mis une association en place qui s'appelle Lutte contre l'excision et lutte contre les attouchements faits aux enfants. Ah ok, tu as une association qui va dans ce sens-là? Oui. Mais est-ce que Congélateur, ce n'est pas un enfant? Congélateur, il est majeur. Mais il est majeur, mais quand tu vois qu'il a un handicap. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il est... C'est quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Et puis voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que tu lui as apporté mon soutien. Ton soutien. Bon, on a aussi dans ton même système de blogueurs, on a aussi l'unique qui, lui, de son côté, apporte plutôt son soutien à manager confirmé. C'est normal, chacun défend son camp. Son camp. Donc, c'est à chacun son camp. C'est ça. Mais il faut défendre ton camp dans la vérité. Il ne faut pas mentir. Parce qu'on l'a reçu ici aussi sur le plateau. Tout à fait. Il a défendu. Ce même l'unique-là, il a contacté les petits des managers, voilà, managers les fréquentaient à l'époque, il était à Boaké, dans les villages, là, comme on appelle. Oui, à Boaké. Voilà. Il a contacté ces petits-là pour essayer d'arranger la situation, pour ne pas qu'ils cassent le papeau de son artiste. Ah bon? Et on a enregistré, on l'a prévenu. Tu vas voir les enfants, on va t'enregistrer. Et les enfants l'ont enregistré. Mon jeune frère que je vais profiter de votre antenne, lui faire un petit coucou au niveau de l'Angleterre qui s'appelle Defosta. Et donc, du coup, on a enregistré Defosta à jouer ça sur sa page. Et moi aussi, tout à fait. Donc, du coup, tu te reproches rien. Tu penses que ton artiste n'est pas... Un blanc comme neige. Tu vas chercher quoi? Non, tu ne vas jamais entendre moi, ma voix, aller voir quelqu'un pour... Non. Pour chercher à comprendre chercher des... Non. Ben lui, on l'a enregistré plus de 4 fois où il est en train de corrompre les enfants.
Si vous a promis quelque chose, dites-moi, moi je vais, on va gérer. Il a même dit que si le manager vient en France, lui va les faire caler. C'est pas normal. Ah ouais. Donc du coup, on a tout ça. Mmh. Donc voilà. C'est mais... normal qu'il le défend parce que c'est lui qui lui donne le nom. Parce qu'il est qui? On ne le connaît pas. Mais depuis qu'il a pris le sujet des managers, on commence à parler de lui et tout. Je pense qu'il cherche des vues derrière le manager. Donc toi, tu penses qu'il est dans une quête de vues aussi? Tout à fait. Lui et puis sa chérie, là, ils sont en train de chercher vues. Qui les connaît? Ah, on les connaît pas? Non, mais c'est des blogueurs comme on est tous des blogueurs et tout. Oui. Et ils parlent quand il y a pape, quand il y a baise. Il n'y a jamais eu baise sur les têtes. Mmh, d'accord? Je comprends. Ouais, je voilà. Comprends ce que tu veux dire. Donc, quand il vient s'asseoir sur la toile, il commence à me dénigrer. J'aurais appris même que je suis venu mettre confirmé en prison, voilà pourquoi on m'a arrêté n'importe quoi. Oui, on a tous entendu. Voilà, donc ce film, j'ai là. Pas besoin de. Ils ont même demandé à confirmer si tu connaissais, non que lui te connaît. Il pas. Me connaît pas justement. Mmh. Je l'ai jamais vu d'ailleurs. D'accord. Voilà, mais quand ça touche les enfants, moi tout de suite tu me verras sur ton chemin. Alors, quels sont tes rapports aujourd'hui avec les autres influenceurs? Bon, on dit quand le malheur t'arrive, tu vois tes vrais amis. Ah, parce que dans ton malheur, là, on a vu beaucoup. Non, pour moi, ce n'est pas un malheur. Je vais t'expliquer non, pourquoi. Non, je veux dire, dans ta situation, vu que voilà. tu as emprunté le mot malheur. C'est donc, ça. Moi, je n'ai fait que renchérir sur ce que tu as emprunté. Mm-hmm. C'est vrai, dans ta situation. Mm-hmm. Mais est-ce que ceux qui ont fait des sorties sur toi, il y en a qui t'ont étonné dedans ou bien beaucoup? Ah, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que quand j'étais là, tu sais, nous, les blogueurs, quand quelqu'un t'attaque et puis tu ne parles pas, on dit que tu es faible. Voilà. Donc, que la personne a trop de papos sur toi. Donc, tu es obligé de te défendre aussi. Voilà. Mais il y a des gens même que j'ai passé tout mon temps à les dire ce que je pense. Parce que moi, je suis différent des autres blogueurs. Il faut qu'on précise. D'accord. Tu ne me verras jamais en train d'insulter l'intimité de maman de quelqu'un. Mm-hmm. Ni pas, les conneries comme ça, je ne rentre pas dedans. Mm-hmm. Ou tu peux me dire que je ne suis pas bien. Tu dis que j'enregistre. Et je n'enregistre pas n'importe qui. Mm-hmm. Toi, tu ne vas pas m'appeler, je vais me mettre à t'enregistrer. Pourquoi? Je cherche quoi? Donc, toi, tu es une personne de mauvaise moralité, mais à ton avis, quoi. Quand tu viens, déjà, tu marches avec quelqu'un. Mm-hmm. Par exemple, je prends un exemple, vous marchez ensemble et puis vous dites tout. Un jour, il n'y a pas là. Toi, tu viens me voir, tu essaies de torpiller ton ami. Mais je t'enregistre. Moi, je t'enregistre et puis voilà. Mm-hmm. Tu viens me dire ça pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est gâté en tout. En fait, et quand j'enregistre, les gens se plaignent, mais ça me sauve. Si, si, okay. si, ça me sauve parce que. Les blogueurs, la plupart des blogueurs, ils ont quatre langues. Mm-hmm. Donc, du coup, quand tu viens dire Kadi, je mets pas, tu parles plus. Donc, du coup, tu es dit quoi? Ils sont pas très fiables dans leurs propos. Tout à fait. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Parce qu'il y a des blogueurs que je les ai attaqués et tout, je les ai dit ce que je pense, dans la vérité. Ils n'ont pas parlé. Ils disent non, c'est l'anonyme de ma maman. Ma maman s'appelle Kadi Kone. Je ne vais jamais l'attaquer. Nanani, nanana. Mais donc, une fois qu'ils ont. Ça, c'est vrai comme ça là. Ça devient l'anonyme de ma maman. C'est ça. Une fois qu'ils ont appris que Kadi était dans les hauts, ils sont sortis. Ils ont confirmé, même sans même avoir les preuves. Wow. Ils ont dit que j'étais à la maca. La police m'a tapé, m'a cassé mon bras. Ouais. J'ai mes pris couteau, je me suis mutilé, j'ai fait tout ce que vous avez entendu sur la toile. Moi, ça ne m'étonne pas. Mais quels étaient tes rapports auparavant, par exemple, avec Yaka Yaka de Paris? Je n'ai pas envie de dire son nom parce que, excuse-moi, mais moi, quand je suis dessus de quelqu'un, ton nom même, je n'ai pas envie de prononcer. Parce que vous étiez très proche dans le temps ou bien? Ben, en fait, c'est moi qui ai cru que c'était une bonne personne. Je me suis approchée de lui, j'ai cru que c'était une bonne personne. Mais je me suis rendu compte qu'il il se comporte, il est comme femme même. Femme, nous, on nous connaît dans notre papatouya. Mais lui, là, il est plus... En fait, j'ai appris que c'est à cause de moi, les Libyens s'est cassé. Mais attends, tout le monde est sur la toile, ils voient ce qui se passe. C'est pas à cause de moi. Et les secrets qui sont sortis avec Lolo Beauté et puis Aya et tout, c'est moi encore. Ah. Tu vois, comment on peut facilement te salir comme ça pour rien. Mais on peut se dire que peut-être que toi, tu es au courant du secret et puis tu peux donner à quelqu'un, la personne va sortir ça. Non. Au contraire, il devrait me remercier parce que, à cause de moi, Aya Robert a compris ce qu'on était en train de planifier contre son dos, grâce à moi. D'accord. Ah oui. On a même payé des gens même pour aller filmer chez elle pour lui faire du mal. C'est moi, je suis sortie avec ce papa-là sur la toile. Wow. Mais aujourd'hui, on trouve que c'est moi qui a mis la division entre les blogueurs et tout. Mais je prends ça, c'est pas mais grave. Et la télé-réalité? La est-ce télé-réalité, que tu as participé à cela? Non, moi je rentre pas dans les conneries. Ah, tu trouves que cette télé-réalité était une connerie? Mais bien sûr, quand vous avez vu la diffusion, c'est quoi ça là?
C'est quoi ça là? C'est tape dans la piscine, c'est dans... Je ne vais pas perdre mon temps pour des futilités comme ça. Ils m'ont contacté effectivement, Dosso 1515. Mm-hmm. Voilà, monsieur Lamine. Mm-hmm. Il m'a contacté, mais je n'étais pas intéressée. Parce que tu trouves que c'est des futilités. Bah oui, c'est quoi ces gens de télé-réalité là? Hein? Et même, ils ont critiqué les télé-réalités. Mais le papou des télé-réalités, c'est parce que bon. Sinon, j'allais donner tous les détails. Ah, mais on te connaît en tant que casseuse de papo. Aujourd'hui, tu as peur de donner des détails. Non, je peux donner parce que la télé-réalité, en fait, si tu veux, c'est cette même dame qui était encore en derrière bas. Cette télé-réalité, bien sûr. Donc, quand elle était derrière la télé-réalité, mais elle s'est rendue compte que ces deux poulains n'allaient pas participer. Mm-hmm. Donc, du coup, elle s'est lavé les mains et puis elle est sortie criant. Tu vois. Donc elle a initié la télé-réalité. Tout à fait. Et vu qu'elle a vu que ces deux poulets n'allaient pas mettre, elle est mise en avant dedans. C'est ça. Donc du coup, elle a. Et s'est retrouvée dans la main de John Chayen. Voilà. Non, c'est lui qui est venu avec son émission et tout. Oui. Voilà. Voilà. Donc, mais les financements, ah ben c'est ça. D'accord. Donc voilà. Okay. Donc, mais alors aujourd'hui, quels sont tes rapports avec la fameuse marraine? Non, j'ai plus de contact avec elle. C'est mieux ainsi comme ça. Voilà. Je préfère rester dans mon coin. Elle aussi. Qu'elle reste dans son coin. Voilà. C'est un terrain à éviter. À éviter. Mm-hmm. Ah, c'est parce bon que... alors. Mais là, ce qui paraît, tu es venu en Côte d'Ivoire sûrement pour monter ton nouveau business. C'est dans quel domaine? Le business est créé depuis. Hein. C'est, d'accord. Voilà. Mm-hmm. C'est depuis, ça fait maintenant bientôt. Non, un an maintenant. C'est dans le domaine des nettoyages. Alors, mais depuis que tu es là, est-ce que tu as été reçu par les autorités? Parce que je dirais que tu as fait quand même beaucoup de combats sur la toile pour le parti au pouvoir, le RHDP. Oui. Est-ce que depuis que tu es là, tu as été au moins reçu par les autorités pour te remercier ou te féliciter pour toutes ces choses que tu faisais par rapport à ton côté blogueur? Oui, mais bon, je ne vais pas donner les détails. Ah, tu n'as pas donné les détails. Oh, c'est que tu as été reçu. Oui. Bon, tout à l'heure, on va parler de l'enveloppe pour voir ce que l'on va prendre de l'enveloppe. Mais dans ça, Kadi Jolie, les autres blogueurs disent de toi. J'ai dit bien les autres blogueurs. Ils disent de toi que tu es une mélangeuse, que tu aimes bien mélanger les gens. On te traite de mélangeuse. On dit tu prends ici, tu vas là-bas, tu prends pour l'eau, tu coupes ici, tu viens placer ici. On dit c'est ça, toi, ton travail. C'est leur comportement même. C'est eux-mêmes là, c'est comme ça ils sont. Ils n'ont qu'à faire sortir une vidéo de moi ou bien où je suis en train de mélanger quelqu'un. Ils n'ont qu'à faire sortir ça. En fait, quand tu te caches pour faire ton béret, ton papatouya là, en fait, moi, je viens déposer sur la toile pour que tout le monde sache qui tu es réellement. Et d'accord. Ça, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas. Quand tu dis la vérité, tu es mal vu. Tu vois. Mais quand tu veux te comporter comme une hypocrite et puis rire avec eux, là, là, tu es bien. Tu vois, il a fallu moi pour dire les femmes qui se cachent derrière les blogueurs pour cogner les têtes des blogueurs. Il a fallu moi pour mettre ces femmes-là en nu. À nu, okay. Tout à fait. Donc, ils devraient me remercier au lieu de m'accuser de cogner. Non. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas te remercier? Parce que c'est comme toi, tu es venu casser leur source de revenus. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu es une grande dame, reste à ta place de grande dame. Si tu as décidé d'aider tes frères et soeurs, ben aide-les dans la sincérité, aide-les. Voilà. Mais quel était le but de ces personnes derrière tout ça? Je pense que c'était le béret. Parce que moi-même, le jour... Attends, donc on peut aimer béret jusqu'à financer béret comme ça? Oui, je t'ai dit, et ça continue. Même quand moi-même, je dois faire direct, je fais poste pour dire que j'ai fait direct là. Et puis, je suis un peu occupée par mes courses où je n'ai pas le temps là. On m'appelle, on fait palabre. Toi-même, tu dis tu as sorti à quel âge? Quoi, mais il faut sortir. En fait, on me poursuit comme ça pour venir faire béret. Attends, on peut te donner même de l'argent pour aller faire béret? Non, c'est différent. Okay. On ne me donne pas l'argent pour aller faire les béret. Mais... quand j'ai des projets et tout, on me soutient et tout, voilà. Oui, mais c'est comme ça. Parce que la personne ne me dit pas, je te donne ça pour les bérets. Oui, mais je te donne ça pour te soutenir aussi. Peut-être aussi, tu me soutiens dans les affaires. C'est béret dans béret. Bon, si tu... On peut dire ça comme ça. Voilà, si tu veux... Non, mais Kadi Jolie, mais vers la fin, est-ce que la moralité est bonne derrière tout ça? Pour être sincère, comme je suis une personne très vraie, donc du coup, les gens trouvent que je suis... bon, bref. Non, c'est pas bon. Non, bref. On va se dire la vérité. Hein. Oui, là, on est dans Fafa. Je sais que Fafa avec toi. Quand tu regardes ce genre de système. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus faire partie de ce genre de système. Voilà. Déjà même, quand on t'amène. Déjà même, quand on t'amène des papos, des choses, des secrets. Des gens. Des gens. Ouais. Et puis, pour que tu les déverses sur la place publique. Et tu ne le fais pas. Oui.
Je n'ai jamais fait, j'ai des, plein de choses, je vais, jamais jusqu'à ma mort, je vais publier ça sur la toile. Mmh. Parce que ça peut me porter préjudice. C'est celle qui me donne, ce n'est pas elle, hein, c'est moi-même, ils vont venir soulever. Ben, ça, je vais, voilà. Mmh. Tu vois. Mmh. Donc, c'est pas bien. Mmh. Mmh. C'est pas bien, pourquoi? Parce que si tu as un secret, tu as le secret de quelqu'un, c'est pas la peine de venir mettre ça sur la toile. Sinon, ce n'est, sinon quand on dit secret... Voilà. Quand on dit secret, c'est secret. C'est les secret. Gens ne comprennent pas, ils confondent. Ils disent que non, elle t'a fait confiance. Et non, non, ce n'est pas de la confiance. Mm-hmm. Mais ce qu'elle a enregistré à l'insu, et moi, elle me fait écouter, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret pour elle. Voilà. Mm-hmm. On dit le trompeur trompé. Mm-hmm. Moi, c'est comme ça que je vois cette histoire. Mais sauf que le trompeur qui a été trompé n'accepte pas, n'admet pas. Voilà. Mm-hmm. Et donc, ça a créé tout ce que vous avez vu sur la toile et tout. Mm-hmm. Mais c'est des histoires. Je n'ai jamais été à la maca. D'accord. Voilà. Alors, mais Kadi, est-ce que tu continues toujours de vendre tes secrets des hommes, des femmes pour attraper les hommes? Je n'ai jamais vendu un secret pour attraper les hommes. Bon, donc, ce que tu vendais, tu disais sur la toile au début, bon, c'était quoi? À la base, moi, je vendais les médicaments traditionnels. Moi, Kadi, tu es marié? C'est passé, on va aller prendre ton mari encore, que tu donnes à Il n'y a pas. Hein? Qui va prendre mon mari? Ah! Comme qui? Toi-même, tu donnes astuces. Ça... Mais oui, il faut donner les astuces. Mm-hmm. Parce qu'il y a plein de couples qui... Mais tu n'as pas répondu à ma question. Hein? Oui, dis-moi. Tu es marié? C'est une question que je ne vais pas répondre. Mais Kadi, tu peux nous répondre? Tu es marié ou bien... Tu... Parce que tu donnes secret. Hein? Bon, si toi-même, tu as secret, tu n'as pas ton secret, n'a pas quoi attraper quelqu'un pour le marier. Yeah, qui t'a dit ça? Quand tu me vois comme ça, là, hein? On te dit qu'une jolie femme comme ça, il n'a pas quelqu'un dans sa vie, tu as quoi? Mais je ne vois pas des bagues de mariage. Non, mais ce n'est pas forcément qu'on, c'est pas forcément d'aller à la mairie et de dire que tu es marié. C'est quoi qui vous dit que tu es marié? C'est quoi? C'est pas... Quand tu dis jolie, il ne faut pas venir nous distraire. Si on est dans Fafa, hein? Oui. Tu penses que tu es où même ici là, hein? Je sais qu'on est dans Fafa. Non, tu ne sais pas où si, tu es. Si, si, bien sûr. Quand tu dis jolie, toi, tu as secret pour attraper, mm-hmm. pour rétrécir, pour que ça n'a qu'à attraper. Mm-hmm. Hein, tout ton secret que tu as, tu donnes aux gens. Pour toi-même, où? Et puis ils ont attrapé, puis c'est resté. Mais je suis là avec lui. C'est ce que tu veux savoir. Non? Alors, mais il faut dire maintenant. Voilà, je sais. Tu as tourné là, c'est ça. Tu es là avec lui comment? Dans quelle situation? Ah, ben ça, c'est très, c'est bien. Hein? Ça se passe très bien. Vous êtes mariés. Attends, tu penses que je vais venir m'asseoir comme ça, oui. donner les secrets aux femmes, mm-hmm. et puis moi-même, là, il n'y a personne dans ma vie, et puis moi, il y a un coup de... Non. Mais non, tu non. connais pas le dicton qui dit que le cordonnier est le plus mal chaussé? Tu connais pas ça? Les blogueurs, là, ils savent très bien, ils savent que je ne mens pas, ils savent que j'ai quelqu'un dans ma vie, ils savent très bien que Kadi mm-hmm. n'est pas seul. Oui, mais Kadi est marié? Religieux, non. Oui, religieux, mais pas la mairie. Ah, pas la mairie. Mm-hmm. Non, on veut savoir, peut-être que pour être ici, ça attrape pas pour mariage aussi. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je fais des exercices, mm-hmm. voilà, ça va. Ah, donc tu fais des exercices, mm-hmm. donc toi, tu donnes secret mais là-bas, j'ai aux pas femmes, besoin. J'ai et pas puis besoin. Toi, tu fais quel exercice? Non, oui, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Je suis en train d'aider mm-hmm. mes soeurs. Qui ont besoin de ça. Voilà, parce que pour ça, ton homme peut te tromper. Mm-hmm. On est né pour trouver ça, on va mourir pour trouver ça. C'est pas pour. Attends, donc toi tu penses que mm-hmm. ça là, ça peut empêcher garçon de tromper femme? Et ça peut aider. Ça peut aider. Non, mais Kadi, jolie, ça peut aider. Sérieux? J'ai dit ça peut aider. Ça peut aider comment? Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Hein. Mm-hmm. L'homme, il est ce qu'il est. Mm-hmm. Même si l'homme a la femme la plus belle du monde, mm-hmm. ça l'empêche pas d'aller voir ailleurs. Mais donc pourquoi tu dis que ton secret là peut aider pour ne pas qu'il aille voir ailleurs? J'ai dit ça peut aider. Ça peut aider. Mm-hmm. Parce que pourquoi un homme va laisser sa femme pour aller voir ailleurs? Tu vas trouver que l'homme... Kadi, et si c'est fer qui coupe fer? Toi, ton petit secret que tu as là, mm-hmm. et si là où il s'en va là, elle est plus dangereuse que pour toi là, bon, c'est comment? Tu sais, toute chose, c'est Dieu. Hein? Moi, je mets toujours Dieu devant toute chose. Tu as donc, laisser les secrets? Non, tu m'as posé la question. Oui. Les secrets continuent. Je donne les astuces. Voilà, je donne les astuces. Kadi, ce que tu vends là, mm-hmm. c'est pas basse pour attraper le garçon. Froulaï. Parce que depuis là, on est en train de tourner. Non, quelle basse. On est là, on parle, on dit secret. Mes astuces que je donne là, il n'y a pas astuces que j'ai donné ou bien il n'y a pas quelque chose que j'ai donné en inbox aux femmes. Mm-hmm. Non. Par exemple, une femme, toujours c'est toi, ton mari va au travail. Il mm-hmm. revient, il te trouve dans le canapé. Tu as la télécommande à main. C'est-à-dire tu connais toutes les séries qui passent là. Ok. Du matin jusqu'au soir, tu es couché dans le canapé. Mm-hmm. Il va venir trouver dans le levier, les assiettes sont sales, toujours en pyjama, tu viens te trouver. Tu penses que quoi? Mm-hmm. D'abord, même quand tu sais que l'heure que ton mari doit rentrer à la maison là, mm-hmm. la maison doit être propre déjà. Oui, et normal. Tu te mets en sexy.
Tu vas, voilà, ouvrir la porte à ton mari et tout. Mm-hmm. Voilà, tu t'occupes de lui comme une femme mariée, tranquille, quoi. Souvent, il y a des hommes, même quand ils descendent du boulot, ils n'ont même pas envie de rentrer chez eux à la maison. Tellement ça les énerve et tout. Donc, tu penses que c'est aller voir un marabout ou bien rester dans le canapé du matin au soir et tu ne veux pas t'épanouir, tu es là, tu veux même dire, chérie, je veux faire tel commerce. Non, toi, tu es là du premier au 30 dans ton avec canapé. Cette génération d'aujourd'hui, là. Ben, moi, c'était des conseils comme ça que je donnais sur la toile. Bon, avec cette génération d'aujourd'hui, les nouvelles filles 5G, là, les filles TikTok, les filles tant, tu penses qu'on va s'en sortir, c'est que j'entends. Mais c'est les hommes filles comme ça, vous aimez aussi. Je ne connais pas pour toi, mais généralement, c'est les filles comme ça. Mm-hmm. Bobitana, les elles vont se... Les filles qui font un chirurgie esthétique, BBL. Voilà, tout ça là, c'est ça. Aujourd'hui, là, tu peux prendre 10 garçons, là, tu vas trouver... Les filles qui sont refaites, quoi. Voilà. Ou bien les hommes vont dire, non, moi, je ne vais pas prendre une femme avec des enfants, hein. Non, je ne vais pas... Mais attends. Alors, qu'est-ce que tu penses des filles qui vont se refaire? C'est une mauvaise... C'est pas une bonne idée, ça. C'est pas une bonne idée pour toi? Non, c'est pas une bonne idée pour moi. Oui, parce que tu n'es pas un objet. Tu es un être humain. Mm-hmm. Il faut rester tel que Dieu t'a créé. Mm-hmm. Si un homme veut de toi tel que tu es, il va t'aimer. Mm-hmm. Ça ne sert à rien d'aller se refaire le corps pour plaire à un homme. Mais si elles n'ont plus le corps pour faire société, elles font comment? Ben, tôt ou tard, elles vont assumer les conséquences. Parce que tôt ou tard, on ne te dit pas qu'il y a des conséquences. Mm-hmm. C'est comme les filles qui vont voir les marabouts, et les hommes qui vont voir les marabouts pour faire chercher de l'argent, je ne sais pas quoi, tout ça là. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ces filles-là, elles ne sont pas heureuses. Hein. Ah, tu penses que ces filles-là sont pas heureuses? Mais elles sont dans leur grosse voiture, Sont après, quand tout le monde n'est pas là, quand tu te retrouves seule dans la chambre, elles sont tristes, hein? Elles ne sont pas heureuses. Si tu veux te montrer belle devant les gens, et après tu te retrouves seule dans ta maison, tu n'es pas heureuse. Elles ne sont pas heureuses, c'est moi qui te le dis. Mais devant les gens, elles font semblant d'être heureuses. Elles font semblant d'être heureuses. Voilà. Donc tu crois qu'elles vivent dans un, comme on peut le dire, elles vivent dans une prison à ciel ouvert? Ben oui, c'est ça. D'accord. Et c'est des moi je trouve que c'est pas la plupart c'est des moi je trouve que c'est pas des influenceuses, c'est des voilà. Donc elles, toi on doit pas les appeler des influenceuses, on doit appeler les djandjous. Non, pas les appeler les djandjous, mais comment alors? Pas les appeler les djandjous, mais les comment on peut les appeler, les commerçants du sexe? Non, pas ça. C'est pas toutes qui sont des poclés, hein, voilà. C'est pas toutes qui sont des poclés, mais moi je me dis une personne qui va se refaire le corps et tout ça là. Bon, c'est quel est le but? Le but, c'est de plaire aux hommes. Ben donc, si tu cherches à plaire aux hommes, c'est que c'est ta société? Bon, tant que je n'ai pas vu qu'elles ont dit que voilà... Moi, ils leur disent ça. Quand ils viennent essayer de parler, c'est société. Bon, voilà. Alors? Donc, moi, je trouve que c'est... Parce qu'une entreprise, il faut soigner l'image de l'entreprise et puis il faut chercher les nouveaux clients. C'est vrai. Mais c'est une manière de prospecter aussi. Mais tu trouves... Vu que tu dis que c'est ce que les gars... J'espère que quand ils viennent ici, tu leur donnes des conseils. Hein. Ben ça, c'est assez normal. Voilà. Après, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a des femmes qui ne sont pas refaites, mais qui vivent heureuses avec des bons hommes. Tout à fait. Qui leur donnent tout ce qu'elles veulent aussi. Ben, il n'y a pas qu'elles aussi. Voilà. Alors, donc, Kadi Jolie. Oui. Donc, tu ne vends pas médicaments de base pour attraper garçon? Non, pas du tout. Moi, si je le fais, j'assume. Hein. J'assume tout ce que je fais. Voilà. J'ai dit, c'est ça, on trouve que je suis trop directe, quoi. Mais c'est comme ça, c'est ma nature, je ne peux pas changer. Alors, à travers toutes tes sorties, à travers tous tes actes que tu as posés sur les réseaux sociaux, à travers toutes ces choses, les papos que tu as cassés, tout ça, que veux-tu que les gens retiennent de toi? Parce qu'il y a un but. Il y a un but, justement. C'est un message que je voulais faire passer, mais c'est mal compris. Alors, donc passe le message. C'est quoi le message que tu veux faire passer? En fait, c'est pour dire aux femmes qui se cachent derrière les blogueurs, d'accord, de laisser les blogueurs. Parce qu'à la base, on n'était pas là pour ça. Okay. On était là pour parler pour des dénoncer. Faits. Voilà, pour dénoncer, mais de la bonne manière. Okay. Les faits des sociétés. On doit refaire notre blog parce que le blog est pourri. Le blog ivoirien, c'est pas fait de société. Oui. Parce que quand tu dis les blogueurs, on met c'est tout le monde. Des voilà, on met tout le monde dans le. Et moi, les cassements des papous, c'est ce sujet-là seulement, hein, ce dossier-là. Tu comprends? Ok, d'accord. Voilà. Et c'était pour faire passer un message pour dire ces femmes qui sont derrière les blogueurs. Si les femmes là quittent derrière les blogueurs là, vous allez voir comment le blog ivoirien va être bien. Tant que les femmes là sont là. Souvent même tu assises comme ça, tu n'as pas vu direct de quelqu'un qui t'a clashé. Elles vont prendre ça, clic, elles vont venir te donner. Ces femmes-là, ce n'est pas des blogueuses. Hein. C'est des femmes, des grandes dames qui sont là, qui mettent le feu entre nous, les blogueurs. Les blogueurs peuvent témoigner. Sauf s'ils ne veulent pas dire la vérité.
D'accord? Mm-hmm. Elles vont prendre la vidéo de telle personne qui t'a clashé. Hé, hey, je suis tombée sur la vidéo de telle personne. Tu as vu ce qu'il a dit? Et toi, en même temps. Si ça te pompe en même temps. Voilà, ça te pompe. On ne réfléchit pas, on sort. Mm-hmm. Et hey, sortez. Droit de réponse. Ça, c'est parti. Et la personne est contente. Elle est assise avec et popcorn. Et puis quand tu donc finis, c'est devenu cinéma cadeau. Voilà, quand tu finis maintenant, tu as non, j'ai aimé ton direct. J'ai les preuves de ça. Waouh. J'ai les preuves parce que moi j'enregistre. Hein. Mm-hmm. Ça, je vais pas me cacher. D'accord. Tu me pousses à faire des conneries, je t'enregistre. Là, comme ça, si demain. Si demain, tu dis que qu'elle est, voilà, c'est toi qui faisais mes posts. Les posts sont là. Waouh. Même. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à même te donner des posts, rédiger des posts. Oui, 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 oui. Quand je suis occupé, je suis au volant comme ça. J'ai dit, fais-moi mais le pourquoi elles-mêmes n'ont pas fait le blog en même temps? C'était non, même... justement, c'est des blogueuses. C'est des blogueuses vraiment... je ne sais pas quoi. On est, c'est nous, on nous amène à l'abattoir. Parce que eux, ces femmes-là, on ne les voit jamais. Hein. Elles sont là et tout. Voilà. Et c'est toi, on te voit, on dit, tu casses les papos. Mais tu ne sais pas d'où viennent les papos. Wow. Les papos que j'ai cassés, ces personnes me connaissent où? Je ne les ai jamais vus, je n'ai jamais parlé avec ces personnes. Donc, et les papos viennent de leurs proches? Ben oui. C'est, si ces personnes qui fréquentent, qui me donnent les papos, moi je peux dire là, je m'excuse, j'ai été vraiment conne. Mm-hmm. Oui, parce que, à vrai dire. Tu as fait ce qu'on appelle prête-moi ton palabre. Voilà, ça, je ne vais plus refaire encore. Et c'est la dernière fois, c'est fini, j'ai enterré ce problème-là. C'est alors, qui sera maintenant la nouvelle Kadi Jolie? Il n'y aura plus de nouvelle Kadi Jolie. Pourquoi? Parce que il faut avoir le courage. Il faut avoir l'audace et puis il faut assumer. Je suis seule et je serai seule, unique à mon genre. Il n'y aura plus de Kadi Jolie. Donc du coup... À moins que celle qui va venir, il faut qu'elle soit véridique, sincère. Et voilà. Bon, je dis maintenant, à quel type de personne va s'attendre maintenant avec toi? C'est-à-dire quoi? Toutes ces choses-là, tu les mets dans ton passé, tu reviens avec une nouvelle image d'entrepreneuse et tout ça, tu sors de tout ça. Bon, je trouve que déjà, je vais profiter de votre antenne pour faire un peu de pub, quoi. C'est important. Voilà. Donc, du coup, en France, on perd trop de temps. Tu vois. Okay. Moi, pourquoi je suis venue dans le blog ivoirien pour commencer à, voilà, à faire comme les autres. Quand j'ai créé ma société en 2018, j'ai fait sortir ma marque de vêtements avec le Covid. J'avais deux magasins. Ferme, confinement, réouvre. Voilà. Donc, du coup, même les grosses boîtes là n'ont pas pu tenir. Ouais. Donc du coup, ça m'a vraiment permis de... Voilà. De non. D'abord, j'ai déposé le bilan. Okay. Parce que je ne pouvais pas. Ouais, il y avait les charges qu'il faut payer. Le loyer, ce n'est pas moins de 1500 euros. Oui, en France, ce n'est pas donné à tout le monde. Les locales commerciales. Les locales commerciales en France, c'est vraiment excessif. Tout à fait. Ouais. Et c'était dans des quartiers vraiment... huppés. Voilà. Moi, je... parce qu'en 2017, j'ai fait un accident. Il y a un scooter qui m'a coulé. Casser mon bras. Okay. Actuellement, je porte les broches. D'accord. Voilà, je porte les broches. Donc, du coup, l'État français m'a reconnu handicapé travailleur. Travailleur, voilà. D'accord. Toi aussi, il y a un peu d'argent derrière. Ouais, il y a un peu d'argent derrière. Parler, hein. Donc, du coup... Là, il a cassé le papou, maintenant. T'inquiète. Donc, du coup, ça m'a permis aussi de créer ma société. Ouais, parce que c'est après, tu es un peu plus favorisé. C'est la guerre entre toi, menti. C'est eux, tu as... Moi, je dis, on connaît ça. Donc, ça m'a permis de créer ma société, faire sortir ma marque de vêtements et tout. Donc, j'étais concentrée sur mon travail. Et je motivais les femmes, même les matins, pour dire, on peut rester... on peut avoir... J'ai travaillé pendant ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Les vidéos sont là. Je travaillais pour moi-même. Donc, je motivais les femmes et tout. Donc, les gens aimaient ce côté-là. D'accord. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. Et puis, après, avec le confinement et tout et tout. Donc, mon comptable m'a conseillé de déposer le bilan. D'accord. Je pouvais faire un redressement judiciaire, mais il m'a dit, dépose le bilan. Puisque c'est une société. C'est une société. Ça va t'arranger et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Le temps, excuse-moi, le temps de rester à la maison, la dépression, ça t'énerve. Tu travaillais, tu avais ton agent. Tu ne fais rien. Tu fais rien. Ça, donc, ça fait que je suis rentrée dans les conneries et aujourd'hui, ça me rattrape. Donc, je regrette vraiment beaucoup. Vraiment. Alors, Kadi Jolie, face à la caméra, tu dis aujourd'hui que tu regrettes tous tes actes. Face à la caméra, j'aimerais bien que tu t'adresses directement à toutes ces personnes que tu dis avoir même froissé. Des gens que tu as prêté leur parole, pourtant, tu ne les connaissais même pas. Quel est le yako que tu leur dis ou bien le pardon que tu leur demandes? D'accord. Merci.
Moi, ce que je suis assise devant vous. Mm-hmm. C'est une nouvelle caddie jolie qui est devant vous. Mm-hmm. Et tout ce qui s'est passé, les cassements de papou et tout ça, c'était une manière de me défendre. Mais je me suis défendue de... Je ne peux pas dire de la mauvaise manière, mais j'ai cru que j'étais en train de faire... une bonne défense. Une, voilà. Mais ça m'a rattrapé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai été interpellée pour diffamation et tout ça. Donc, chose qui n'est pas vraie, bref. Donc, du coup, moi, je présente mes excuses sincèrement à ces personnes que j'ai heurtées lors de mes sorties. Les voix que je mettais, il y avait des personnalités dedans. Je les présente sincèrement mes excuses. Voilà, vous savez, quand on est derrière notre caméra, on se croit tout permis et tout, l'erreur qu'on fait déjà. Et je suis une Ivoirienne qui vit en France. Et je suis venue, j'ai vu ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Et j'ai décidé, avant ça même, j'avais déjà investi. Et j'ai décidé de vraiment m'investir plus. Pour ton pays. Voilà, dans mon pays. Voilà, donc du coup, j'ai déjà ma société de nettoyage qui est là. Et je veux aussi rentrer dans le tout ce qui est transport et tout. Donc voilà. Donc c'est une nouvelle caddie qui assise devant vous. Et je pense que vous n'allez plus entendre parler de cassement des papos. Les audios, c'est fini. Je vais laisser derrière moi. Et je vous présente sincèrement mes excuses. Ok. Donc merci. Merci. Alors, dames et messieurs, notre émission tire à sa fin. C'était le mot de fin de notre invité. Merci à tous ceux qui partagent Fafa dans tous les quatre coins du monde, ceux qui nous suivent, bien sûr, dans tous les pays. Merci à vous. Big up à Kangala le berger. Big up à Ange Bleu le cultivateur. Big up à Franck Mian, la famille Mian. Big up à vous. Big up à Franck Yaka, le bazar de Versailles, du côté de Mako et Ramblay. Il y a aussi la page le bazar de Versailles avec des vêtements certifiés. Big up à mon ami Kra, la boutique des vêtements de luxe du côté de la 8e tranche, certifiée avec des tenues et des chaussures de haute gamme et de haute qualité. Merci encore à tous ceux qui nous suivent. Le PDG Pierrot, on est ensemble. Et surtout, comme j'ai pour habitude de le dire, sortez toujours couvert, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.